Cet aimant, en fait, qui va être intégré dans un scanner IRM, ça ne suffit pas qu'il y ait un aimant, c'est un ensemble de scanners. Un scanner, on va avoir une précision d'image qui va être à peu près 10 fois supérieure, ou plus petite, que ce qu'on fait aujourd'hui. Je m'explique. Aujourd'hui, la précision des images IRM, c'est de l'ordre du millimètre. Ça correspond à la taille d'un grain de riz. On veut descendre à l'épaisseur d'un cheveu. Donc c'est vraiment beaucoup plus fin. Pourquoi ? Eh bien, c'est parce qu'en fait, on sait aujourd'hui que le cerveau est organisé de telle manière que les neurones, les cellules grises qui le tapissent, n'ont pas la même tête, n'ont pas la même forme, n'ont pas la même densité selon que ces neurones se trouvent dans des régions qui sont liées à la vision, au langage, à la motricité. Pourquoi ? C'est ça qu'on veut comprendre. On veut comprendre comment l'organisation à trois dimensions des cellules nerveuses dans le cerveau est responsable de fonctions que l'on a faites par le cerveau. La deuxième chose, c'est les maladies. Par exemple, les maladies psychiatriques. Aujourd'hui, on sait très bien que si on fait des images de patients qui sont schizophrènes ou qui ont des pathologies du type autistique, souvent le cerveau est absolument normal. Sur les images IRM, on ne voit rien. Voire même, les schizophrènes entendent des voix. Et on voit très bien que quand ils entendent des voix, les régions auditives sont activées. Donc le cerveau a l'air de fonctionner normalement. Pourtant, ces gens sont malades. En fait, ce qui se passe, on commence à ouvrir un petit peu la boîte, c'est que, par exemple, ce sont des connexions qui sont anormales. Donc l'information ne circule pas aussi vite ou aussi bien qu'elle devrait entre deux régions cérébrales. Donc c'est ça qu'on veut creuser. Et peut-être qu'il y a d'autres choses aussi. Il y a peut-être des anomalies dans la manière dont ces neurones sont organisés dans l'espace ou communiquent entre eux qui expliquent ces maladies.